J'ai découvert l'INP en Erasmus. Je faisais mes études en Allemagne, à Berlin, et je voulais faire un Erasmus en France. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'INP, qui est en partenariat avec mon ancienne école à Berlin. Et ça m'a beaucoup plu, j'ai passé une année ici, et donc j'ai décidé d'entrer en cours de cursus. Je fais un concours et j'ai été prise en troisième année et je continue mes études ici en master. On travaille sur des différentes œuvres en différents matériaux de différentes époques, sur les sculptures en bois du Moyen Âge, souvent ce sont des sculptures polychromées. Une sculpture en bois polychromée, c'est une sculpture qui a été entièrement sculptée en bois. Je suis en train de finir la restauration. La sculpture était très encrassée. Elle était empoussiérée, il y avait une crasse grise. Sur cette sculpture, par exemple, on va réintégrer les manques, parce qu'il y a des endroits sur les bras, par exemple, où le plâtre a cassé. Donc, pour une meilleure lisibilité de l'œuvre, on peut réintégrer, mais on ne va pas mettre une autre couleur ou un revêtement sur cette œuvre parce que ce n'est pas d'origine.